America is back. Momentum! Momentum! Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم ولأولادكم Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Samir Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Le président américain s'est engagé publiquement pour la première fois à cesser de fournir des armes à son allié israélien si ce dernier met ses menaces à exécution et engage une offensive contre la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Joe Biden a reconnu que les bombes fournies par son pays ont été utilisées pour tuer des civils à Gaza lors de l'attaque en cours. إسرائيلي بغزو كبير لمدينة رفح فلن نقدم الأسلحة الهجومية لإسرائيل. Le représentant de l'entité auprès des Nations Unies a qualifié la déclaration du président Joe Biden sur la suspension des livraisons d'armes de cruelle et décevante de la part d'un président. Gilad Erdan a, dans une gestuelle devenue coutumière, brandi la carte des votes juifs. Il est à noter que l'entité d'occupation a lancé mardi une opération militaire à Rafah, où sont rassemblés environ 2 millions de Palestiniens, dont la plupart sont des déplacés du nord de la bande de Gaza, fuyant les bombardements continus depuis le 7 octobre et qui ont fait plus de 35 000 tués. La plupart sont des femmes et des enfants. Jens Lyrex, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour l'aide humanitaire, alerte. Les centaines de milliers de personnes qui se trouvent à Rafah seraient exposées à un risque imminent de mort en cas d'assaut. Dans le même temps, cela aurait un impact considérable sur l'opération humanitaire dans l'ensemble de la bande de Gaza. Avec nous en ligne à partir de Washington, le porte-parole du département d'État américain pour la région du Proche-Orient et de l'Afrique, Monsieur Johann Schmansisses, merci d'accepter notre invitation. Monsieur Johann, face aux tensions actuelles, quels sont les outils dont dispose l'administration américaine? Merci pour la question. Nous focalisons depuis le début de la crise actuelle sur deux questions principales. Ce sont des questions des otages et de l'aide humanitaire pour les Palestiniens, en particulier ceux qui sont touchés par la crise à Gaza. On travaille sur plusieurs axes pour essayer de trouver une solution. En particulier, on travaille notamment avec une emphase sur l'Arabie Saoudite. On est en train de parler avec les Saoudiens à propos de quelques solutions possibles pour arriver à un accord entre l'Arabie Saoudite et Israël et aussi mettre fin à la crise actuelle et de l'aide au peuple palestinien. Les États-Unis travaillent aussi avec quelques autres partenaires au Moyen-Orient, en particulier les Émirats et le Jordanien dans le fournissement de l'aide humanitaire. Il y a aussi, bien sûr, le gouvernement égyptien qui maintenant invite les parties à engager dans la diplomatie actuellement au Caire et on espère arriver à une solution bientôt. Vous avez évoqué l'Arabie Saoudite, les Émirats, le rôle également du Caire. Vous n'avez pas évoqué le Qatar et d'autres acteurs qui aujourd'hui semblent être des acteurs clés. Toutefois, j'aimerais avoir des précisions sur ce que vous nous disiez à l'instant. Vous avez parlé d'Arabie Saoudite et Israël. Qu'est-ce que cela sous-entend ? L'Arabie Saoudite joue un rôle très constructif actuellement. L'Arabie Saoudite a toujours été un partenaire très important pour les États-Unis dans la région, un partenaire clé, et c'est pour ça qu'on focalise un peu sur leur rôle et la possibilité de normaliser les relations, par exemple, entre eux et Israël, comme partie d'un package pour composer une solution aux crises actuelles. C'est-à-dire une normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, mais en contrepartie de quoi précisément, Monsieur Johann?
Yann Schmincisis. En fait, les discussions sont toujours en cours, alors il est difficile pour moi d'entrer dans trop de détails, mais il y a quelques thèmes qui se poursuivent, par exemple la création d'un État palestinien, la solution de deux États. Oui. Ce sont des possibles éléments qui sont sur la table actuellement. Aussi, bien sûr, approfondir la relation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sur le plan de la stabilité et la défense dans la région. Les États-Unis a toujours été un partenaire dans le secteur de défense pour l'Arabie Saoudite. Donc tout cela, un renforcement, on va dire, de la coopération entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, entre l'Arabie Saoudite et vos autres partenaires, en contrepartie de l'établissement d'un État palestinien. C'est de cela qu'il s'agit, j'ai bien compris votre propos. Oui, en fait, la poursuite d'un État palestinien a toujours été un élément de la politique américaine dans la région. La solution de deux États, on est toujours focalisé sur ça. Et je crois que ça, c'est aussi un objectif pour la plupart des pays arabes. On espère que ça va aider à contribuer à la solution pour la crise actuelle. Monsieur Yohann, je rappelle que vous êtes porte-parole du département d'État américain pour la région du Proche-Orient et de l'Afrique. Les autorités qui disent vouloir empêcher une offensive contre Rafah ont déclaré qu'une proposition révisée du cessez-le-feu pourrait permettre de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations. De quelle révision s'agit-il et est-ce que vous avez des contacts en ce sens? Oui, on a des contacts continus avec les différents partis. En particulier, on a indiqué au gouvernement israélien que nous ne soutenons pas leur opération actuelle à Rafah et on a des inquiétudes sur la situation humanitaire des Palestiniens. Il nous a assuré que leur opération est de caractère limité et seulement pour empêcher l'entrée d'armes supplémentaires par le passage de Rafah. Mais toujours, on est en train de parler avec eux et d'essayer de trouver un moyen pour résoudre la situation sans que le peuple palestinien souffre davantage. Selon le journal Le Haaretz, des négociations sont en cours avec une société privée américaine qui emploie d'anciens soldats d'élite américains pour le transfert du contrôle du point de passage de Rafah. La société est une société d'experts de la sécurisation des sites stratégiques en Afrique et au Moyen-Orient. De quoi est-il question précisément? Est-ce qu'il s'agit du contrôle terrestre par Rafah et du contrôle maritime par ce qui est appelé le pont de Biden? Quand vous parlez d'une société américaine, je ne suis pas conscient de quoi s'agit-il. On sait le Pentagone qui mène maintenant l'opération actuelle à construire un pont pour fournir de l'aide humanitaire à Gaza, c'est sous le contrôle du militaire américain. S'il y a des contracteurs ou quelque chose comme ça qui sont impliqués, je ne suis pas conscient de tous les détails. On sait que c'est une opération logistique. On met le focus sur ça pour essayer de trouver un moyen pour fournir de l'aide aux Palestiniens. Moi, je parlais du point de passage de Rafah, Monsieur Yohann Schmincisis. C'est ce point qui serait passé sous le contrôle d'une société de sécurité américaine. C'est de cela qu'il s'agit. Bon, selon mon information, le passage de Rafah est sous le contrôle du gouvernement égyptien et bien sûr, c'était la Hamas qui exerçait les fonctions du gouvernement, les fonctions gouvernementales de la bande de Gaza avant et ils étaient en charge. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a des contracteurs ou quelque chose? Je ne suis pas conscient des détails. Bien. Je suis désolé. Bien. Il est par ailleurs indiqué que Washington a suspendu la semaine dernière une livraison d'armes en réaction à l'offensive contre Rafah. Il s'agit de l'envoi composé de plus de 3500 bombes. Est-ce que c'est une démarche militaire ou diplomatique, Monsieur Yohann? Fondamentalement, nous restons engagés à fournir à Israël les moyens pour se défendre. Ça, c'est une chose qui n'a pas changé. Point de vue, les détails d'une livraison d'armes ou quelque chose d'autre, je n'ai pas de commentaires sur des détails. En fait, je ne sais pas de ces détails. Bien. Je précise pour nos auditeurs que le secrétaire d'État à la Défense l'a confirmé lors d'une audition au Sénat ce mercredi 8 mai. Monsieur Yohann Schmincisis, Blinken, qui se disait décidé à obtenir un accord aussi vite que possible d'un cessez-le-feu, a dit qu'il allait pousser le Hamas à l'accepter sans plus tarder. Le Hamas l'a accepté. Comment comptez-vous agir avec Netanyahou qui n'accepte pas la démarche du Hamas?
Je vous rappelle que c'était d'abord le gouvernement israélien qui a présenté au mois d'avril un propos pour une solution, et c'était à cette époque-là la Hamas qui a refusé. En fait, c'est la nature un peu de la diplomatie et de chaque négociation. Les négociations n'ont pas changé. Pardonnez-moi. Les négociations n'ont pas changé puisque les mêmes clauses ont été maintenues et acceptées aujourd'hui par le Hamas. Comme j'ai dit au début, nous focalisons sur les questions d'otages et d'aide humanitaire. Nous sommes des otages. Ça, c'est un clé pour la résolution de la situation. Il y a des otages, par exemple, qui sont des citoyens américains. Et une fois que cette question d'otage est résolue, la diplomatie, un accord va être plus facile après. Mais il faut dire qu'on est toujours en train de travailler très dur au Caire avec les parties du conflit pour essayer de trouver des solutions. Et il faut laisser à la diplomatie une chance de prévaloir. Je rappelle que vous êtes porte-parole du département d'État américain pour la région du Proche-Orient et de l'Afrique, ce qui me pousse à vous poser des questions en relation notamment avec l'Afrique subsaharienne. Les troupes américaines vont se retirer à la demande des autorités locales de certains pays, dont le Niger. Comment comptez-vous agir en conséquence? Bon, ça dépend du pays et la situation. Nous sommes toujours en train de parler avec les gouvernements, par exemple, du Mali, Burkina Faso, Niger, pour continuer notre coopération avec eux. Il faut préciser que la coopération antiterroriste avec la Russie, par exemple, n'est pas un remplacement pour la coopération qu'on a fait ensemble des Américains et de leur côté, parce que la coopération américaine antiterroriste, ça comprend aussi les droits humains, ça comprend aussi le développement économique. Ce sont des aspects qui ne sont pas présents lorsqu'on voit qu'il a fait, le groupement Wagner, le gouvernement russe, etc. Mais on est toujours en train de parler avec les différents gouvernements pour trouver des solutions. Je voudrais bien mentionner qu'on est toujours en train de mener des opérations, des exercices conjoints en Afrique, y compris avec les partenaires que vous venez de mentionner. African Lion, toujours un exercice en Tunisie qui vient de commencer. Aussi un exercice naval au Mangamé Express qui va se poursuivre au Gabon. Ce sont des opérations multinationales aussi. Et il y a le commandant de l'AFRICOM qui vient de rendre visite au Bénin. La coopération militaire, antiterroriste, etc., est toujours très actif entre les États-Unis et les pays de la région. Le secrétaire d'État à la Défense a indiqué que l'aide aux États africains, par le biais d'AFRICOM, avait pour objectif de renforcer les capacités militaires de ces pays, mais il a également rajouté qu'il s'agit de renforcer aussi la présence américaine dans cette zone. Comment réagissez-vous aux dernières informations indiquant la présence de forces russes au Niger? Toujours de la politique américaine que n'essayons pas d'interdire aux pays de coopérer avec les Russes ou les Chinois ou n'importe quel autre pays, par exemple. Les pays sont libres à choisir leur partenaire et à choisir leur politique. Les États-Unis offrent une solution, offrent une gamme d'éléments économiques, politiques, etc., que selon nous est promettant pour arriver à une solution durable à leurs problèmes. Mais s'ils veulent inviter, par exemple, des éléments russes ou autre chose pour essayer de mener une coopération, les États-Unis n'essaient pas d'interdire une telle coopération, mais nous offrons une autre alternative. Une autre alternative. Ouais, une autre alternative. Ouais, exactement. Monsieur Johann Schmoncicez, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. C'était un grand plaisir pour moi, merci. Johann Schmoncicez est porte-parole du département d'État américain pour la région du Proche-Orient et de l'Afrique, et il était avec nous à partir de Washington. Soldats russes et américains stationnent sur la même base militaire au Niger, près de l'aéroport international de Niamey. Interrogé sur le sujet, le secrétaire d'État à la Défense a répondu que cela n'est pas un problème important. D'abord parce que la base militaire est très étendue. Ensuite, parce que les Russes se trouvent dans un complexe séparé et n'ont pas accès aux forces américaines ni à notre équipement. Lloyd Austin rajoute toutefois que les États-Unis continuent de surveiller
surveiller de près la situation. Les Russes sont dans un bâtiment séparé et n'ont pas accès aux forces américaines ni à nos équipements. Je suis toujours très soucieux de la sécurité et de la protection de nos troupes. Et je vais continuer à surveiller la situation. Mais pour le moment, je ne vois pas de problème significatif dans ce dossier en termes de protection de nos forces. Le 10 avril dernier, de premiers instructeurs russes, une centaine, étaient arrivés dans la capitale effectuant une première livraison de matériel de défense aérienne. Outre les équipements stratégiques militaires, des vols transportaient également un contingent d'instructeurs russes chargés de former et de perfectionner les unités combattantes au Niger. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger en utilisant le matériel militaire arrivé ici. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et Niger. Pour rappel, le 22 avril 2022, les députés du Niger ont adopté le principe d'une autorisation de forces étrangères sur le territoire national nigérien. Il s'agissait en fait d'accueillir des soldats français et européens après le retrait de Barkhane du Mali. Ces implantations des forces concernées et les règles de leur engagement feront l'objet d'accords conformes aux dispositions constitutionnelles et légales de notre pays. Avec nous en ligne, Monsieur Oleg Nesterenko, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes président du Centre de commerce et de l'industrie européen, spécialiste de la Russie et de l'Afrique subsaharienne. Monsieur Oleg Nesterenko, quelles sont les conditions de la présence de ces deux unités à Niamey, Monsieur Oleg Nesterenko? Disons que seules les autorités militaires et politiques nigériens, russes, américains directement concernés sont au courant de détails précis des processus qui se déroulent actuellement sur place. Après, selon les informations à disposition, il est connu que le contingent militaire américain et russe sur place n'a aucun dialogue, encore moins une action quelconque en commun. Les contacts entre les parties se situent au niveau du strict minimum nécessaire pour éviter tout incident. Au centre de la base militaire, les deux parties restent positionnées dans les quartiers nettement séparés, éloignés l'un de l'autre. Oui. Il n'y a pas vraiment danger de confrontation russe ou américaine sur place, car surtout, le mois dernier, au mois d'avril, les Américains ont déjà donné leur consentement de quitter le pays à la suite des exigences reçues et formulées par le gouvernement du Niger dans ce sens. Néanmoins, le personnel américain, de même que le personnel russe, reste en état d'alerte, car tout le monde est parfaitement conscient que dans le cadre de la guerre que les États-Unis sont en train de mener aujourd'hui sur le territoire de l'Ukraine contre la Russie, ce sont bien les ennemis qui se rencontrent face à face dans cette base de Niamey. Que représente cette base à Niamey pour la Russie, Monsieur Oleg Nesterenko? Eh bien, il ne faut pas négliger que c'est quand même la base militaire voisine de la capitale du pays. Donc, il est clair que ce sont les, si on peut le dire ainsi, les ports d'entrée dans le pays. Les ports d'entrée logistiques, les ports d'entrée techniques. Si on peut parler des réelles raisons de l'arrivée des Russes dans cette base. Oui. Parce qu'en fait, bon, l'installation de l'armée russe à la base américaine pendant que les militaires américains sont encore en service est hautement symbolique et certainement pas conditionnée par une quelconque réelle nécessité technique. Quelle symbolique y voyez-vous, monsieur Oleg Nesterenko? Je pense que c'est surtout un message aux Américains, le message qui dit votre hégémonie dans le Sahel est terminée. Je pense qu'il y a un message supplémentaire qui est également délivré par la même occasion. Message qui dit que si le Pentagone a bien annoncé le départ de ses troupes du Niger, oui, il n'a néanmoins pas communiqué aucun calendrier de l'exécution. Monsieur Oleg Nesterenko, le 10 avril dernier, des instructeurs russes, une centaine à peu près, sont arrivés dans la capitale Niamey, effectuant une première livraison de matériel de défense aérienne. La coopération entre le Niger et la Russie a atteint de nouveaux sommets avec l'arrivée d'un troisième vol cargo de l'armée russe, marquant une étape significative dans le renforcement des liens entre les deux pays. Qu'est-ce que cet aspect militarisé aura comme valeur ajoutée sur la politique, je m'entends? Eh bien, effectivement, c'est le troisième arrivé, certainement pas le dernier.
On sait qu'il y a les instructeurs avec le matériel qui est venu sur place et le point très important, que ce n'est pas juste un matériel militaire quelconque, mais les systèmes de défense antiaérienne. Les systèmes de défense antiaérienne qui sont absolument nécessaires au Niger, car actuellement, elle est totalement dépourvue. Toute la défense antiaérienne qui existe, c'est celle des Américains. Avec l'arrivée des instructeurs de Moscou, ce sont les militaires nigériens avant tout qui seront formés à utiliser les systèmes russes, ce qui permettra à Niamey d'utiliser la défense antiaérienne à terme d'une manière complètement autonome. Et il faut souligner que la défense de souveraineté d'un pays passe notamment par la défense antiaérienne. Du côté de Washington, l'on parle d'une coopération sécuritaire, notamment dans ce qui est qualifié de la lutte antiterroriste. Les instructeurs qui sont présents à Niamey sont chargés de former et de perfectionner des unités combattantes du Niger. Qu'est-ce que cela implique, monsieur Oleg Nesterenko ? Effectivement, vu que jusqu'au présent, les missions antiterroristes, les missions de la sécurité du pays ont été principalement assurées par la France et les États-Unis, il est clair qu'il ne faut surtout pas laisser le vide après le départ des derniers. Donc, il était parfaitement prévu par le nouveau gouvernement de Niger de continuer ce travail, mais avec les Russes. Effectivement, parallèlement à la défense antiaérienne, il y a donc les unités militaires russes qui sont sur place, qui s'occupent également de la formation de l'armée. Ils vont certainement participer par la suite dans les opérations militaires sur le terrain. Alors, nous savons que le Niger est, on va dire, à pignon sur d'autres pays, tels que la Libye ou encore le Mali. Est-ce que cette présence offre à la Russie une opportunité d'intervenir probablement ou d'être au fait de ce qui se passe dans les pays limitrophes ? Eh bien, ce n'est pas un secret que toute la zone du Sahel est instable depuis un moment. La présence russe au Niger, effectivement, permettra normalement à sécuriser la zone. Après, il ne faut pas oublier que les pays limitrophes, comme la Libye que vous avez mentionné, oui, sont les pays souverains. Donc, personnellement, j'exclus la possibilité que les Russes vont s'introduire à un moment donné sur le territoire d'un pays souverain voisin pour défendre les intérêts quelconques. Non, j'entends bien ce que vous dites. Oui. La Libye est en effet un pays souverain. Le Niger est également un pays souverain. Le Mali est également un pays souverain. Mais la Russie a des accords de partenariat militaire avec les pays que je viens de citer. Ces accords de partenariat n'indiquent pas une intrusion dans un pays limitrophe, mais l'on va dire une connaissance des agissements du pays en question. C'est exact, oui. De ce point de vue, je dirais plutôt quand il y aura des grandes opérations qui vont concerner plusieurs pays autour et non pas seulement le Niger, c'est un travail en collaboration avec le gouvernement des pays concernés qui sera mené. C'est clair que ça ne sera pas une action isolée, sinon ça n'a tout simplement aucun sens. D'ailleurs, c'est une force importante de la présence russe sur place qu'elle a des accords amicales, les accords constructifs avec tous les pays autour. Cette assistance, effectivement, s'inscrit dans le cadre, je le disais à l'instant, d'accords de coopération bilatéraux conclus entre le Niger notamment, puisque nous parlons du Niger et la Russie. Monsieur Oleg Nesterenko, dans cette région, le Sahel en l'occurrence, se sont installées des sociétés dites de sécurité, notamment Wagner. Quelle relation a aujourd'hui Moscou avec cette société de sécurité, notamment dans cette zone ? Eh bien, effectivement, initialement, c'est la société privée militaire Wagner pendant plusieurs années qui s'en occupait des intérêts russes dans la zone du Sahel. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret que la société comme telle, d'une manière autonome, ne fonctionne plus. Aujourd'hui, c'est le ministère de la Défense de la Fédération de Russie qui le gère. En ce qui concerne la présence sur place en Afrique, toujours pareil, c'est le ministère de la Défense de la Fédération de Russie qui gère les effectifs de Wagner. À savoir qu'une partie importante des militaires privés de la société Wagner ont déjà entré sous le contrat dans l'armée russe.
Donc quand on parle de la présence militaire russe d'aujourd'hui, on parle de Corps d'Afrique, Africa Corps. Oui. Dont les effectifs de Wagner qui connaissent très bien la zone, car ils sont depuis des années sur place, oui. Ils ont intégré cet Africa Corps. Donc quand demain vous allez rencontrer les gens de Wagner, ce sera les soldats de l'armée russe. Bon, déjà, ils se sont montrés très bien sur les champs de bataille de l'Ukraine. Ils sont montrés de côté positif dans leurs actions en Afrique. Aujourd'hui, effectivement, ils ont parfaitement assimilé dans l'armée russe. Comment jugez-vous votre présence ou la présence de la Russie aujourd'hui dans la bande sahélienne? Bon, avant tout, il ne faut pas négliger que chaque pays souverain de la zone du Sahel a appelé d'une manière autonome la Russie d'être présente sur place. Mm-hmm. Ce n'est pas la Russie qui est venue en envahisseur dans chaque pays, conquis les pays et ensuite changer les gouvernements sur place. C'est pas oui. du tout le cas. Après, d'une manière naturelle, avec tout ce qui se passe au monde, les pays africains veulent être de plus en plus autonomes. Ils ont l'expérience de vie sous ce qu'on peut appeler les néocolonisateurs. Ils voient que malgré tout ce qu'ils font, malgré les aides qu'ils annoncent, rien ne change dans le pays. Donc, tout simplement, ils ne veulent plus voir ça, car ils savent que ça ne donnera rien du tout, ni dans les années, ni dans les décennies à venir. Mm-hmm. Et l'expansion, excuse-moi la question que vous avez posée, est-ce qu'il y a une expansion? Oui. Oui, effectivement, c'est bien le cas. Monsieur Oleg Nesterenko, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi, merci à vous. C'est moi. Oleg Nesterenko est président du Centre de commerce et de l'industrie européen, spécialiste de la Russie et de l'Afrique subsaharienne. South African Gerco van de Venter, who was abducted in Libya in November 2017, is now free. Le 5 décembre, nous avons reçu un appel d'une personne. On ne savait pas du tout qui c'était. En plus, ça venait de Mauritanie. Alors que nous n'avons jamais eu affaire à la Mauritanie. Nous sommes uniquement passés par le Mali et le Niger. Lors de cet appel, cette personne nous dit qu'elle travaille à la libération de Herco. Nous étions très surpris et nous ne savions pas quoi dire. La nuit dernière, la sécurité d'État sud-africaine nous a appelés pour nous prévenir qu'eux-mêmes avaient été appelés par la sécurité d'État algérienne qui leur a dit que Herco était avec eux et qu'ils étaient en train de le transférer à Alger. Van de Venter est enlevé en Libye en novembre 2017, puis transféré au Mali. Il a été libéré à l'issue de plus de 6 ans de captivité. D'intenses négociations pour la libération du Sud-Africain avaient été menées au cours des premières années après son enlèvement. Avec nous en ligne, Monsieur Gerco van de Venter, merci d'accepter notre invitation. Je le disais à l'instant, en 2017, vous avez été kidnappé en Libye. Dans quelles conditions cela s'est-il produit? Mr. Gerco van de Venter, thank you for accepting our invitation. In 2017, you were kidnapped in Libya. Under what conditions did this happen? I went to Libya to go and work at a construction site where they were busy building. Je me suis rendu en Libye pour travailler sur un site de construction où on construisait une centrale électrique en tant qu'ambulancier, et dès le premier jour, sur la route vers le site de construction, mon véhicule a été attaqué et je fus emmené de force par une milice armée. By the militia or the armed group that took me. Vous avez été transféré au Mali par vos ravisseurs. À l'instant, vous nous racontiez dans quelles conditions votre enlèvement s'est produit. Vous avez été transféré au Mali par vos ravisseurs. Comment s'est déroulé le transfert? You were transferred to Mali by your captors. How was the transfer carried out? Initially, I was kidnapped by a Initialement, j'ai été enlevé par un groupe armé qui m'avait vendu Al-Qaïda et il m'avait emmené au Mali à bord d'un véhicule. Le voyage a duré 4 jours à travers le désert pour me conduire au Mali. Peut-on parler dans ces conditions, Monsieur Gerco van de Venter, peut-on parler d'une chaîne de complicité? Can we, in these conditions, Mr. Gerco van de Venter, can we speak of a chain of complicity? I'm not too sure about the chain of complicity. Je ne suis pas sûr de la chaîne de complicité. Je sais qu'ils avaient tous des liens de famille.
Ils appartenaient au même groupe ethnique. Je n'ai pas encore toutes les informations. Quelles ont été les conditions de votre captivité? Étiez-vous en contact avec d'autres otages? What were the conditions of your captivity? Were you in contact with other hostages? Initially, I was alone for the first 3 months. Yes. Au départ, j'étais seul pendant 3 mois. Ensuite, j'étais rejoint par des ingénieurs turcs qui avaient été enlevés le même jour que moi. On nous avait ensuite séparés en 2018. Après leur séparation, à partir de là, j'étais seul au Mali. Je n'ai rencontré Olivier Dubois, le journaliste français, qu'en août 2021 et jusqu'à sa libération. On était ensemble. Ensuite, j'ai été rejoint par Abdou Maïga, le Malien enlevé en 2023. J'ai pris soin de lui jusqu'à ma libération. Vous semble-t-il qu'il y avait une idéologie parmi vos ravisseurs? Est-ce que c'était politique ou juste pour de l'argent? Does it seem to you that there were an ideology among your captors, or was it political or just for money? It was just for money. C'était pour l'argent. Je n'avais pas d'influence politique dans la région. Le groupe qui m'avait enlevé était un groupe criminel et ils demandaient de l'argent. Même lorsque j'étais remis à Al-Qaïda, l'objectif était d'obtenir de l'argent car je n'avais aucune influence politique dans la région. Monsieur Gerco van Deventer, que pouvez-vous nous dire sur vos ravisseurs? Était-il africain? Avait-il des liens avec des parties externes? Mr. Gerco van Deventer, what can you tell about your captors? Were they African? Did they have any link with external parties? No, they were all Africans. They were affiliated, all of them were affiliated with Al-Qaïda. Non, ils étaient tous africains, comme je l'ai dit. Ils étaient affiliés à Al-Qaïda et ils partageaient l'idéologie de l'organisation et il y avait peut-être d'autres partis impliqués, mais ceux à qui j'avais parlé s'identifiaient comme faisant partie d'Al-Qaïda. Mm-hmm. Vous êtes avec nous aujourd'hui de l'Afrique du Sud. Je rappelle que vous êtes sud-africain, monsieur Gerco van Deventer. Avez-vous senti à un moment donné que votre vie était réellement en danger? Did you feel at any time that your life was in real danger? Not really. I knew that when I was taken, it's going to be for money. Pas vraiment. Je savais dès mon enlèvement que c'était pour l'argent car je n'avais aucune influence politique en Libye ou au Mali et ils prenaient soin de moi tant que je suivais les instructions et que je ne faisais rien de mal. Ils prennent soin de vous car ils veulent un retour sur investissement. Vous parliez en ce début d'entretien du journaliste français Olivier Dubois qui travaille par ailleurs au Mali, hein, précisons-le. Olivier Dubois a été libéré en même temps qu'un autre otage, l'Américain Jeffrey Woodke, kidnappé au Niger en 2016. Mais vous êtes resté prisonnier bien que vous soyez entre les mains du même groupe. Quelles étaient les raisons selon vous, monsieur Gerco van Deventer? Selon le journaliste français Olivier Dubois, vous avez été vendu à un groupe du nord du Mali. Pouvez-vous nous en dire plus? Que s'est-il passé par la suite? Mr. Gerco van Deventer, the French journalist Olivier Dubois, was released at the same time as another hostage, the American Jeffrey Woodke, kidnapped in Niger in 2016. But you remained a prisoner. Although you were in the hands of the same group. What were the reasons? According to the French journalist Olivier Dubois, you were sold to a group from the north of Mali. Can you tell us more, Mr. Gerco van Deventer?
Oui, en effet, on était détenus par le même groupe. Le groupe avait assuré la libération d'Olivier Dubois par un moyen dont je ne suis pas sûr. Les informations que j'ai sont celles données par la radio, donc j'ignore la raison. Je sais que la politique étrangère de l'Afrique du Sud rejette le paiement de rançon, et puis je savais que mon tour arriverait. Je ne savais pas quand, mais que ça allait venir. Quel était votre travail en Libye? What was your work in Libya? J'avais été contacté pour travailler en tant qu'ambulancier sur le site de construction. Ils avaient une clinique médicale sur le site où je me chargerais des ouvriers, ingénieurs ou toute autre personne blessée. Mais j'avais été enlevé dès le premier jour en chemin pour me rendre là-bas. Que pouvez-vous nous dire, monsieur Gerko van de Winter, que pouvez-vous nous dire sur les conditions de votre libération? Est-ce qu'il y avait des indications selon lesquelles vous alliez être libéré? What can you tell us about the conditions of your release? Were there any indications that you were going to be released? J'avais reçu une notification des chefs du groupe qui me gardaient captif. Ils m'avaient informé que j'allais être libéré d'ici 2 jours. Ils m'avaient juste dit que je devais laver mes vêtements et être propre pour ma libération. 2 jours plus tard, ils m'ont conduit à un autre lieu où se trouvait un médiateur algérien qui est venu me chercher et m'a conduit à la frontière où m'attendaient les services de sécurité algériens, et c'était un soulagement. Ils me répétaient que j'avais été libéré et que c'était terminé. Il y a eu une grande, quand même, lutte pour votre libération. There were a big fight for your release. As I understand, yes. Je comprends cela. Il y avait des médiateurs sud-africains qui œuvraient pour ma libération, mais en vain. Ma libération avait été obtenue par l'intervention du gouvernement algérien que je remercie. Je leur ai exprimé ma gratitude. Est-ce que c'est votre première déclaration sur un média algérien? Yes, this is my first communication that I've ever spoken to anybody from Algeria after my Oui, ceci est ma première intervention. Je n'avais parlé à personne en Algérie après ma libération. J'étais resté silencieux pendant mon séjour en Algérie jusqu'à ce que le gouvernement sud-africain me ramène en Afrique du Sud. Je pense que la relation entre l'Afrique du Sud et l'Algérie n'est que plus forte après cette aide apportée par le gouvernement algérien pour ma libération des mains d'Al-Qaïda, et je le suis très reconnaissant. Je suis également reconnaissant au gouvernement sud-africain. Monsieur Gerko van de Winter, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Mr. Gerko van de Winter, thank you for accepting our invitation. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Shukran. Shukran, Lek. Merci beaucoup. Ont participé à ce programme Oleg Nesterenko, président du Centre de commerce et de l'industrie européen, spécialiste de la Russie et de l'Afrique subsaharienne. Johann Schmanzises, porte-parole du département d'État américain pour la région du Proche-Orient et de l'Afrique. Gerko van de Winter, ancien otage sud-africain. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. Merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.